Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 19h Live. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque mardi. Un mardi un peu spécial hein, aujourd'hui, puisque la neige est venue sur Reims. Hein, beaucoup de chroniqueurs ne sont pas là. Hein, on est 2 sur 4, mais on les aura par téléphone parce que priorité au direct. 19h Live est toujours là, même en cas d'intempéries. Comment vas-tu, Pauline? Ça va très bien. Et toi, Aloïs? Froidement? Très très froid, oui. Hein, il fait froid dehors hein, quand même. Moi, j'ai mis mes après-scrits perso. Hein, je suis au taquet. Hein, boots d'hiver, on est au taquet. Hein, dites-nous également chez vous si vous avez chaussé vos après-ski, partagez vos plus belles photos avec le hashtag RJR19h Live. On a également Louis et Andrea à la réalisation audio et vidéo. Une grosse émission, on aura également Mélanie Bellamy et qu'on aura par téléphone depuis Paris qui nous a préparé un petit défi frisquet, hein, si je puis dire. Et on aura également Marie Didi qui nous fera sa jolie chronique depuis la périphérie de Reims. Elle nous fera aussi un petit point météo, on verra un petit peu, elle a pas mal de également. Et bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 19h Live. C'est un plaisir de vous retrouver comme chaque mardi. Ce soir, on a du très très lourd, les amis, dans l'émission. On a beaucoup d'invités, beaucoup de chroniqueurs. À commencer d'abord par Marie Binz. Bonsoir Marie. Bonsoir, le retour. Le retour de Marie Binz. Comment vas-tu? Ça va mieux. Alors Pamela, on va revenir sur cette grande aventure Miss France. On est tous autour de la table pour retracer ce grand prime télé et puis cette aventure à l'île Maurice. Tout ce que tu as vécu, ça a dû être dingue. Vraiment, j'ai profité. Ça devait être vraiment, vraiment fantastique. Et puis un jury quand même assez sympa. On a une présidente de jury donc, qui était... Lynn Renault, une grande dame. Une grande dame. Du cinéma, du cabaret. Et donc c'est une grande chance de l'avoir dans le jury Miss France. Pauline, Valentin et Océane, n'hésitez pas à poser vos questions également à Pamela. On va tous poser nos questions. N'hésitez pas également chez vous, si vous avez une question pour Pamela, avec le hashtag RJR19HLive, réagissez sur nos réseaux sociaux. On a deux invités principaux ce soir. Il s'agit de Gauthier et de Julie. Ils viennent nous parler de l'association SVUR. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Ça va, en ouais. Cœur, on adore. Alors vous allez nous parler de votre association SVUR. On peut juste avoir la signification pour nos auditeurs de SVUR, monsieur le vice-président? Bien sûr, alors la SVUR c'est la Société des Vins de l'Université de Reims. Et ben voilà, il a tout dit, messieurs, dames, restez avec nous. On est ensemble jusqu'à 20h. On va tout de suite s'écouter U2, Get Out of Your Own Way. Et on les retrouvera pour l'association SVUR en milieu d'émission. Restez avec nous sur RJR, à tout de suite. Eh bien écoutez les amis, il est temps pour nous de se dire au revoir, il est 19h59, merci d'avoir été avec nous. J'embrasse tout particulièrement Jen et Mélanie qui nous ont écoutés tout au long de cette émission. Merci à toi Pauline, merci à Andrea, merci à Louis et à tous les auditeurs. On se donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission 19h Live à 19h sur RJR comme d'habitude. Voyons, on remercie bien sûr 19h Live et on remercie nos auditeurs hein, qui sont nombreux chaque semaine. Merci de nous suivre avec tant d'intérêt. Vous retrouverez cette émission et toutes les informations de cette émission sur notre page Facebook. N'hésitez pas à réagir à un même post-émission avec le hashtag RJR19h Live. En attendant, on se dit à mardi prochain, même heure, même endroit, sur RJR. Bonne semaine à tous. Je te remercie en tout cas. Merci Pamela Texier d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci Pauline, merci Océane, merci toute l'équipe technique. On se retrouve mardi prochain à la même heure, 19h, pour l'émission 19h Live sur RJR. En attendant, passez une bonne semaine. Suivez bien les conseils d'Océane et ne déprimez pas trop. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.